Ladies and gentlemen, bonsoir à tous, c'est Larkhaven et bienvenue pour un nouvel épisode de Fly for Floss, saison 7 évidemment, nous sommes de retour. Tu as eu le temps de pex les rayons? Pas du tout, parce que comme je l'ai dit, je prépare Make a Wish et d'autres choses, donc on n'a pas du tout eu le temps. J'ai rien touché depuis la dernière fois, vous voyez, je vous ai quitté sur un toit, je vous retrouve sur un toit, ça n'a pas bougé par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu. Que c'est, je crois qu'on avait dit que dans cet épisode, je ferai une armure. Oui, parce que je suis à poil, hein, on a plein de livres d'enchant, plein de trucs, mais... Mais j'ai pas d'armure, et il est temps de se faire une armure. C'est vrai. Alors, il faudra aussi que je produise de l'énergie et faire un excavateur. Hein, parce que c'est ça, c'est à quoi ça sert tout ça, c'est que je me fasse un truc qui mine automatiquement. Alors, au niveau des armures, pourquoi je n'utilise jamais d'armure? Parce que, jusque-là, elle se faisait défoncer en deux temps, trois mouvements. C'était assez compliqué de récupérer toujours une armure potable. Alors, il serait temps, il est vrai, de voir un petit peu ce que l'on pourrait trouver comme armure, une armure décente. Hein. Non, papier, voilà, papier, défense 0,5. Hein. On va pas me la faire à moi. Mais attends, obsidienne 16,2. En vrai, même le cactus, enfin, what the fuck, quoi. Moi, de ce que je vois là, magma slime, c'est pas mal aussi. Durabilité, moins 12. Mais c'est quoi ces chiffres? Oh putain, je comprends rien. Les trucs d'armure, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Hein, parce que... Moi, je prends les valeurs les plus hautes. Donc pour moi, obsidienne 16,2. D'accord. Donc moi, dans ma tête, genre... Manuline, 19,7, 20 de défense. Mais 19,7? Value from durability calculation. Usually an integral part of the overall durability of an armor piece. Ah, c'est que tu multiplies en fait par les autres pour avoir la durabilité totale? C'est ça? Ok. Obsi et Manuline, c'est un bon mélange. Ouais, oh, puis il y a des modifiers. Ouais, bah ouais, on fait ça, hein. Ok, allez, c'est parti. On tente, on va faire des expérimentations, parce que c'est vrai que, autant les armes, maintenant, on comprend à peu près ce qui va et ce qui va pas, autant les armures, je suis bon. On va peut-être falloir que je refasse du Manuline, d'ailleurs. Attends, on a du cobalt. C'est vrai, j'ai même pas regardé. Et il faudra peut-être une table pour construire les... Bah ouais, déjà, il faudrait peut-être que je... Hein? Ah bah il est archivant là, il part comme ça là, mais il sait même pas ce qu'il fait en fait. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, alors les tables pour arrobas, on va dire construct, voilà, comme ça, et normalement il doit y avoir une table à cet effet, évidemment, ce sera la Armor Forge, voilà. Armor Forge, donc on va la faire en fer. Oh, c'est cher ça. Attends, on va la faire en... On va pas la faire en fer. On va la faire en pig iron. Ah non, mais c'est pas ça que je... Attends, vous avez pas un truc sympa, un minerai friendly là? Attends, c'est quoi le minerai que j'ai le plus ici? Du fer. Ok, bon, bah, j'abandonne, je vais faire des blocs de fer, voilà. Alors, voilà, donc on a les parties de l'armure, voilà, parce qu'il y a plusieurs parties qui vont intervenir là-dedans. Avec, oh yeah. Tu m'étonnes que l'armure, ok. Ah, c'est tout un délire, hein. Ça, est-ce que je peux le faire? Ah oui, je peux le faire ici, ok, parfait. Les jambes, machin, le casque, voilà. Et donc les deux trucs dont on a besoin à chaque fois, donc c'est le print pattern et le plate pattern. D'accord, 3, 1, 4. Ok, ah oui, ça va demander un peu de choses. Donc il va peut-être falloir que je retourne miner du manioline un peu. Ça demande pas mal. Pas du papier, on va prendre de la pierre. Comme ceci. Et donc on va réaliser donc un moule de chaque... Une de ces choses là pour pouvoir avoir le moule en or, évidemment. Tac, voilà. Ce qui fait beaucoup. Voilà. Les choses étant faites, je remets à lancer tout ça là-dedans parce que ça va blinder mon inventaire pour rien. Voilà. Alors, le manioline, tac. Donc du coup c'est parti, les boules. Voilà, donc ça nous en fait deux. Alors, on a déjà les deux principaux, ensuite les pieds et les jambières. Hop, voilà. Et ensuite le casque et le chestplate. Je pense que le chestplate on va le faire en... On va le faire en manioline. Alors du coup, je peux en mixer avec plusieurs trucs à la fois? Attends. Genre, je peux mixer de l'obsi plus du manioline? Durabilité, durabilité. Ouais, voilà. Donc le corps va gérer la défense. De toute façon, faut attendre que ça cuise pour l'instant. Et donc, il me faut du manioline aussi. Alors, manioline, il va nous en falloir 6.
Voilà. Alors, là, on a tout. Il est temps d'assembler. Donc, voyons ce que ça donne au niveau des stats. Avant de la valider, on va regarder un peu. Voilà. Alors, on a 48 de durabilité, 20 de défense. 48 de durabilité. 48 de durabilité. C'est pas beaucoup, hein. D'accord. Imaginons que je fais des plaques. Où est-ce qu'elles sont mes plaques d'ailleurs? Ah, elles sont là. Imaginons que les plaques, je les fais pas en papier, mais que je les fais en obsi par exemple. Sinon, je vais toutes les faire. Je vais les faire en obsi et en manuline, parce que de toute façon, ces trucs-là, on les utilise pour après. Parce que, attends, c'est un scandale là. Oui, je peux la rendre incassable, ouais, tout à fait. Mais sa défense, c'est pas si ouf en plus, parce que c'était marqué 8 plus 8, donc c'était l'équivalent d'une armure en diams. Alors, bon. Et pas que... C'est pas que je suis confiant, mais ça n'a pas l'air si ouf que ça. Donc là, il en faut 3, donc je vais mettre 3 de manuline aussi. On va vérifier avec du manuline. Voilà. Alors... Là, imaginons, bon maintenant, je change, on dit que j'ai décidé de ne pas mettre de papier. Manuline plus full obsidienne. Et là, elle passe à 256 de durabilité. Ah, avec 3,5 d'armor toughness. D'accord. Donc elle est un peu plus intéressante. Et on a 3 modifiers. 3 modifiers, c'est déjà pas mal. Puis après, je peux aller me faire bolosser par des mobs et augmenter la durabilité de cette armure pour la réparer. C'est quand même pas énorme. Hein. Bon, remarque, ouais, non, mais il y a les modificateurs, donc c'est eux qui sont censés augmenter la durabilité du truc. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une grosse dura, en vrai. Parce que je crois que c'était déjà l'obsi et la manioline, c'est ceux qui ont la plus haute durabilité. Donc j'imagine que t'es censé ensuite lui rajouter un diamant, un truc, etc. Ah oui, j'avais pas vu, putain. Oh, j'avais pas vu le look que ça donne. Ah ouais, c'est sympa. Ah ouais, elle est cool. Et belle. Et si je mets le truc en papier? Ah ouais, elle est moins sympa l'armure en papier. Ah oui, je suis un peu triste, oui, d'accord. Ah oui, tout est joué sur ça en fait. Alors attends, je laisse ça là-dedans. Pour faire XP, c'est un nombre de dégâts ou un nombre de coups? Je pense que c'est les coups que je prends. Je pense, hein. Pour les armes, c'est comme ça que ça marche, hein, mais. Là, on est à 635 de durabilité. Par contre. Prideful. Donc elle, on est à 3 et 8 d'armure. Au niveau des stats, on a 20 de défense, 635, plus 3, plus 8. L'armure est dark, mais elle est très bien. Elle colle très bien en plus à mon gardien du Void. Allez, je me lance parce que sinon j'y arriverai jamais. Ok. Voilà, on va lancer le manuline, boum. Voilà, puis comme ça, quand on a besoin, bon, on fait. Ah oui, c'est vraiment samouraï, quoi. 241, 20, 3,5... 3,56... Ouais, bon, c'est... Bonne armure. Bon, c'est bien. Allez, on valide comme ça. On valide sur cette base. Ça me convient. Donc oui, effectivement, les autres, je vais les faire fondre. Voilà. Histoire 2. Next. Il faut que je refasse une partie à chaque fois, donc tant qu'à faire... On va les faire deux fois, comme ça c'est fait. Parfait, nous avons tout pour notre armure. Il y a encore les modifiers à mettre après. Hein. Mais bon, déjà, on sait à peu près à quoi va ressembler notre armure. Oh, ce casque! Oh putain, ce casque! T'as récemment pris la grosse tête d'Arkivan, what the fuck. Mais what the fuck cette grosse tête. Ah, pourtant le casque ici il est stylé, mais alors quand tu l'as comme ça, c'est un autre délire. Donc, si j'enlève ma cape... Alors, mis à part le casque, elle est sympa. Très violette. Ça me rappelle Tom Craft, hein. J'ai l'impression de m'être fait une armure Tom Craft. Hein. En vrai, on va pas se le cacher, on ressent du Tom Craft là. Je suis un mastodonte de Call of Duty, tu vois. Du coup, il faut que je les mette en mode unbreakable. Mais si je fais que du unbreakable, ça veut dire que
Je mets aucune modif dessus, quoi. Elles sont juste upbreakable. Enfin, il faudrait qu'elle pex derrière, parce que 3 modifiers, c'est pas suffisant. Il leur en faut, bien plus que ça. Ouais, donc c'est bien ça. Ok, ouais. Donc là, le modifier restera à 2. Ouais, d'accord. Donc ça consomme un modifier. Si je le remets ici, ça passe à 1. Passe à 60. Donc il m'en faudra 2 de plus. Il faudra que je la pex à 2 de plus pour avoir un renforced 5 et donc elle devienne unbreakable. Donc ça veut dire qu'il va m'en falloir beaucoup aussi parce qu'il m'en faut 3. Il m'en faut 9 au total, donc 8. 8, 8, 8, 8, 8. Donc il me faut de l'or en pagaille. Beaucoup d'obsidienne. Oh, je suis pas sûr que j'aurai assez, mais. Ah, oh, si, si. Oh, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Ça devrait. Oh non, c'est bon, c'est bon. Ça le fait largement. J'en ai pris 2 fois 3. Elle devient plus violette parce qu'on lui met un modifier d'obsidienne. Donc, ouais. Ça altère sa couleur. Bah, je peux rien y faire, ça. Le problème, c'est qu'il y a un côté esthétique, effectivement, quand tu modifies ton armure. Alors, tout à l'heure, elle était plus sympa. Mais bon, malheureusement, hein, ça, c'est le modificateur. Je peux rien y faire. Donc, c'est un petit peu comme cette pioche, vous voyez, quand on lui a rajouté le truc d'obsidienne. Bon, bah. Mais ça, j'y peux rien. Hein. De toute façon, dans l'ordre que je dois les mettre, de toute manière, j'aurais rien pu faire. Je suis en mode. Attends, d'où? Headshot. Donc, vous voyez, la couleur est devenue très très violette. Hein. C'est con parce que les petites nuances de violet avec l'obsidienne étaient super bien, mais du coup, bah. Pff, niqué. Alors après, je remettrai d'autres modificateurs après une fois qu'on aura gagné plus de level. Mais pour l'instant, c'est la baisse. Ah, je suis vraiment le Power Ranger violet, quoi. En plus, ça colle trop avec mes yeux, donc tout se fond dans le décor. Bon, pas grave, on rajoute une cape violette par-dessus. Hop! Voilà, comme ça, j'ai l'air encore plus de... Comme ça, je ressemble vraiment plus à rien. Voilà. Bon, bah, c'est une armure. Alors, ça tombe bien parce que... Avec cette armure, on va en profiter pour retourner voir les cailloux. Vous savez, ceux qui m'ont défoncé. Bon, on va tester cette armure. On va la mettre à l'épreuve tout de suite, en fait. Les petits trucs qui étaient dans la pyramide orange l'autre fois de Precasia, qui m'ont un peu bolossé grave la tronche. On va retenter l'expérience contre eux. À voir si l'armure résiste. C'est parti. Ah, c'est ça, à chaque fois je me fais toucher 6, 7, 8... Ok. Ah, avec le poison, ça marche pas mal aussi. Oh, ça résiste bien au poison. Parce que vous rappelez, avant, je perdais... En 2 secondes, le poison, il me tombait dessus. Ah, pour pex, c'est ça. Hein. Ah, bah, c'est cool, ça. C'est du pex gratuit. Ah oui, parce que je prends très très cher. Hein. Je prends des gros coups. En fait, comme le poison me fait énormément de dégâts, l'armure, elle pex de ouf. C'est trop bien. Le mec va se suicider. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Dark Heaven, en fait, dans Flight for Flux? Laisse, c'est un mec un peu incompris en fait. Je suis en mode, oh j'adore, vas-y, blesse-moi, oui. Blesse-moi, j'adore ça, putain. Ah, le cactus me donnerait pas autant de dégâts. Là, c'est un truc très puissant, donc du coup, c'est pas mal. Oh, merde. Ah, mais c'est que ça tue à la fin, hein. Mais c'est que l'autre fois, j'ai eu trop de chance en fait. Attends, mais parce que... En fait, j'ai trop de chance. Moi, j'étais persuadé que c'était un poison qui te tuait pas à la fin. La défense. Ah! Bon, je vais y aller à pied. Hein. Oh, 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 oh. Ah! Level up. Comfortable. C'est, on est confortable. Bon, ça va, en fait. Je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps à pex. En fait, ça va être nickel, quoi. Je vais aller voir les cailloux comme ça. Ce bruit m'a absolument pas manqué. Oh, oh. Jean-Michel Bruitage était là. Oh. Il a tout donné. Il était déter. Alors, bah du coup, il faut recommencer. Alors, du coup, j'ai préparé toutes les plaques parce que ça veut dire qu'il m'en manque encore 8, si je dis pas de conneries. Vu qu'il en faut 2 chacune. Ouais, il en faut 8. Donc du coup, il nous faut, hop, 16 d'or, 64 d'obsidienne. Et voilà. Voilà, la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Boum! En vrai, c'est un enfer leur truc. Hein. Ça fait extrêmement mal. Hein, quand on y pense. Hein. N'empêche, c'est complètement pété. Hein.
Mec, t'as pas pris une bonne armure, mais tu te fais poucave, hein. Juste leur venin, là, regarde. Regarde ce que je prends, hein. C'est incroyable, hein. Avec l'armure, on a réussi à diviser par 4, je crois, les dégâts. Et quand t'es à poil, c'est... Enfin, l'autre fois, j'étais pas à poil, je crois que j'avais du diam sur un truc, mais genre, en two-shot, hein, c'était two-shot. Vas-y, défonce-moi. Fais-moi mal, putain. Johnny. Fais-moi souffrir. Bing. Ah ouais, j'adore, le message du chat, c'est 4 en même temps. Pom. J'aime bien, ce petit bruitage-là est toujours très sympathique, c'est long, on va... C'est l'heure de l'apéro. Alors... En avant. Dernière modification. Donc là, ça y est, on va pouvoir passer au stade incassable. Voilà. Ah, c'est vrai qu'avec Advent of Ascension, c'est facile. Hein. Voilà. Unbreakable. Elles sont désormais unbreakable. Voilà. Nous sommes prêts. Que c'est, voilà, ça s'écrit comme ça. Et du coup, j'appelle ça Caillou. Caillou. Je sais pas. On peut mettre un accent si tu veux, tu vois, mais... Du coup, j'appelle ça les cailloux. Depuis le début, j'appelle ça comme ça. Je sais pas. Peut-être un jour, le modeur dira non, ça s'appelle Carrar. Oh, je suis en mode. Ah ouais, ok. Oh. Alors, c'est le moment que je redoute énormément. Alors, je pourrais piquer le spawner, mais. Oh, cette résistance. Oh, puis j'ai level up au niveau de Hunter. Oh, cette résistance exceptionnelle. Ah oui, non, mais. Rien à voir. Ah, ça fait du bien. Eh oh. Arrêtez de faire ça, ça me trigger. Après, je fais eh oh. Ah oui, c'est très très bien. Je peux attaquer enfin des cailloux au corps à corps. Alors, eux, ils donnent Jungle Thorns. Je crois que c'est bien pour des trucs. Oh. Même pour les approcher, hein. Il y a un moment, t'es obligé d'en prendre dans la tronche, quoi. Et même comme ça, en vrai, même comme ça, je fais pas le malin. Hein. Et alors là, je suis level combien? Parce que vous savez que les prochains mobs qui m'intéressent pour me donner de l'armure, il faudrait au moins être level 24. Et je crois que ça, c'est le level le plus haut des cailloux, des hunters que je peux trouver actuellement. C'est le seul que je peux utiliser. De toute façon, ça fait pex mon armure de m'en prendre plein la tronche. Hein. Comme ça, je passe un level supérieur, après je pourrais remettre un autre truc. Parce que là, ce que je pourrais faire, c'est soulever le truc en l'air pour optimiser le spawner et que ça spawn plus. Mais en même temps, quand ils sont 3, voilà. Hein? Eh, quand même, hein. Voilà, donc je me dis que un par un, c'est... 2 par 2, un par un... La vie est belle, hein, c'est bien. Putain, à 3, vous avez vu ma vie, hein. Eh, l'armure, voilà, hein. Oh là là! Oh là là! J'étais à deux doigts de crever. Je vais faire pex. Mais c'est vrai que je peux faire pex mon rayon et tout en même temps. Putain, mais ils ont fini de gueuler, eux! On dirait mes voisins. La bêtise. On va descendre l'escalier quand ils tombent. Ils disaient pareil, pareil. C'est mes voisins, en fait. Ils sont là, ils les ont modélisés. Parce que là, en fait, il faut que j'essaye d'atteindre aussi le level 24 de Hunter. Parce que c'est eux qui me donnent le plus d'XP actuellement. Sinon, je vais devoir vous rappeler quand j'ai buté tous les mobs de Abyssal Craft que je passe 15 ans à le faire. Bah là, je gagne vachement de temps. Je gagne vachement de temps sur le level 20 déjà. Il faudrait que je sois 23-24, ouais, à peu près. Oh non, 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 putain. En fait, c'est ça, en fait. C'est quand ils tirent, je prends tous les dégâts. Peu importe les dégâts, c'est genre... Genre, il n'y a pas de... J'ai pas de frame d'invulnérabilité avec eux. Je viens de comprendre ce truc-là aussi. C'est quand tu prends les tirs... Quand tu prends les tirs... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de cooldown. C'est genre, ils te les mettent, boum, 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 et c'est même s'ils tirent 3 en même temps, tu vas tous te les prendre. Attends, le loto-totem, c'est quoi? Je m'en rappelle plus. Oh, faut choisir. Oh, trop bien. Je sais pas quoi faire. À droite, à gauche. Je prends où? Vite, le chat, je ne sais plus, je panique. Je fais quoi? Je prends lequel? Le premier qui dit, je le prends. En deuxième, en haut. Je sais pas si... Je gagne rien, putain. Je gagne pas. On verra pour essayer de les farmer. Je reviendrai, ma vengeance sera terrible. Mais pour l'instant, on va attendre d'avoir le building. Hein. Ouais, c'est ça, ouais.
La Sainte Armure a été réalisée. Et d'autres choses sont à venir, évidemment, il va me falloir encore l'améliorer, mais pour l'instant, eh bien, c'est fait. Merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas les lives tous les soirs, 21h, 22h, on commence, et on termine vers 2h du matin. Vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à venir, hein, évidemment, je suis là tous les soirs quasiment. Il y a le planning de toute manière qui est disponible un peu partout. Ciao à tous, des bisous, et à la prochaine les amis.